Bonjour, c'est Guillaume. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau mot dans notre série Les mots français d'origine arabe. Aujourd'hui, on va voir le gilet. Le gilet, oui. Qui aurait cru que ce mot, qui en apparence sonne on ne peut plus français, nous vienne en fait de la langue arabe? Et oui, en effet, tout comme gileco en espagnol, par lequel le terme nous est parvenu, ou jaleco en portugais, ou gileco en sicilien, j'espère que je prononce bien, le terme nous vient de l'arabe jalika, et désigne soit un vêtement court et sans manches boutonnées sur le devant, ou encore un tricot ouvert sur le devant et à manches longues. Le mot fut à l'honneur à la Révolution française, avec le gilet à la Robespierre, et est devenu incontournable dans les avions ou les bateaux en tant que gilet de sauvetage, ou encore avec les gilets jaunes qui font face aujourd'hui aux gilets pare-balles des policiers. Le gilet accompagne toutes les couches de la société française. Le gilet est donc enraciné dans la langue française et continuera également d'ajouter une élégance particulière aux personnes qui le porteront. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain avec un nouveau mot.